Il est midi, nous sommes le 9 octobre. Merci de choisir France 3 pour vous informer. Dans l'actualité de ce vendredi, la polémique sur la fulgurante ascension de Jean Sarkozy. Le fils du président devrait prendre la tête du premier quartier d'affaires d'Europe, la Défense. Une candidature très contestée. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de commentaires sur le site. Les gens laissent leur signature, mais également des commentaires. Ils disent on ne nous respecte pas, c'est du népotisme. Les gens ne comprennent pas, sont indignés. Jean Sarkozy a ce poste parce que c'est le fils d'eux, c'est évident. Il n'a pas l'expérience, il n'a pas les compétences. Donc, quelle est la raison de sa nomination, sinon que c'est le fils d'eux? À 23 ans, le fils cadet du président de la République devrait en effet devenir le patron de la Défense. Le conseil d'administration de l'établissement public chargé de l'aménagement du quartier d'affaires devrait l'élire le 4 décembre, en lieu et place de Patrick Devedjian, atteint par la limite d'âge.